अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता है। चुटकी भर बरसात ना, épisode précédent. Maman, arrête ce mariage. S'il te plaît, je ne veux pas épouser cet homme-là. Madame, c'est que ma sœur Imani ne veut pas épouser votre fils. C'est votre fille! C'est de votre fille qu'il est question. Elle a osé envoyer son petit frère chez moi pour me dire qu'elle ne veut pas se marier? Une jeune fille qui ne témoigne aucun respect pour les règles émises par ses parents. Comment pourra-t-elle venir dans sa belle famille, hein, et respecter ses beaux-parents et son mari? C'est une tare sur votre honneur à vous, Monsieur Shamshir Singh Wagela. Tu m'as contraint, moi, Shamshir Singh Wagela, à défaire ma moustache. Si je ne te punis pas, alors demain tu finiras par couper ma moustache de mon visage. Mais tu sais quoi, ma chère sœur? Il est ma fierté. Et il est maintenant responsable de me déshonorer. Oui, il a insulté son propre papa. Il n'aurait pas dû y aller. Tu n'aurais pas dû y aller. Tu as eu tort, mon fils. Et quiconque fait de mauvaises choses, alors moi, je punis cette personne. Non! Je l'ai envoyé. Je n'ai pas aimé ce garçon-là. Il est bien plus âgé que moi et... si moi je te l'avais dit, tu n'allais pas m'écouter. Dis-moi, Imani, pourquoi est-ce que tu mens? Nous n'avons jamais parlé de toutes ces choses. Non, tais-toi. Tu es innocent. Papa, Imani est en train de mentir. Je suis partie de moi-même. Avance. Tu es devenue bien audacieuse. Tu veux maintenant aller à l'encontre de ma décision. Je vois que maintenant ton petit cerveau est devenu très actif, n'est-ce pas? Donc je pense que je vais devoir le freiner un peu. Attends! Tu ne veux pas écouter ton propre papa? Je vais te... Papa, non, tu ne peux pas battre Imani de cette manière, c'est très mal. Lâche ce bâton. Non, papa, je ne lâcherai pas. Papa, mon professeur dit que c'est mal de frapper les filles, vraiment très mal. Et c'est complètement injuste, parce que c'est de ma faute. Tu devrais me frapper. Ne frappe pas, Imani. D'ailleurs, tu peux me frapper autant que tu voudras, papa.
Poupendra, tu es devenu fou, hein? Tu ne peux pas tenir la main de ton père comme ça. Lâche-la! Si papa lui est en tort, donc moi je lui tendrai la main pour l'arrêter. Tu vas tenir la main de ton père, oui? Tu vas insulter ton père? Non. Vous levez la main sur moi. Mais moi, je ne dis rien. Mais je ne vous laisserai pas lever la main sur mes enfants. Maman! Ce que papa voudra faire, laisse-le le faire avec moi. Par contre, il ne le fera pas sur toi. Papa, tu peux me frapper si tu veux. Ah non, vous tous avancez. Papa, tout ce que tu veux faire, tu le fais avec moi. Mais tu ne leur fais rien. Alors frappe-moi, papa. Papa, frappe-moi. Frappe-moi, papa. Oui, frappe-moi, papa. Allons, Shamsher, sortons d'ici. Shamsher, mais sortons d'ici! Viens! Oui, papa, frappe-moi! Frappe-moi, papa! Frappe-moi à la place! Papa, viens frapper moi! Mon fils, arrête. Frappe-moi! Arrête. Tu sais quoi? C'est ma famille. Et... si un fils arrête de respecter son papa et qu'il oublie aussi ses limites, alors il mérite bien une punition, ça c'est sûr. Shamsher, je te l'ai dit depuis longtemps que ta femme Kamla était en train de monter tes enfants contre toi. Et aujourd'hui même Imani les a rejoints. Ils sont tous unis contre toi. Tu es tout seul maintenant. De nos jours, est-ce que c'est une blague d'arranger une bonne alliance entre deux familles? Tu as pu avoir une bonne proposition, mais non. Ils ont instigé Rupendra contre toi, l'ont envoyé chez eux et ont brisé l'alliance. Si cette Kamla continue à enseigner tout cela à Rupendra, alors quelle valeur il héritera? Et je me demande ce qu'il apprendra. Je dois lui transmettre les valeurs. Et je dois lui dire ses limites. Il doit respecter les restrictions dictées par la société. Tu sais, mon père l'a fait ainsi, le père de mon père l'a fait ainsi. Et maintenant, mon fils, il le fera aussi. Mais s'il ne le fait pas, j'oublierai alors qu'il est mon enfant. Aujourd'hui, pour la première fois, ton fils t'a saisi le bras. Demain, il sera bien possible que... Rupendra te frappe à son tour. Kamla et ses trois filles n'ont pas du tout hésité aujourd'hui à se confronter à toi et... Shamsher, si ce comportement se répète, tu auras honte dans tout le village, et tu ne pourras plus regarder personne dans les yeux. Aujourd'hui, Rup a élevé la voix contre toi pour la première fois. Si tu ne le fais pas taire immédiatement, alors... oui, c'est certain qu'il va se rebeller certainement contre toi. Réfléchis. Donc, calmement, Shamsher, mais rapidement, d'accord ? À ce que tu fais avec Rupendra. Pourquoi est-ce qu'il t'a fallu aller chez la famille du garçon Rup? C'était nécessaire, Imani, parce que moi, je savais bien que tu allais finir par pleurer et papa n'aurait rien fait, lui. Et en plus, je savais bien que papa, lui, n'aurait écouté personne. Et cette alliance n'allait pas te rendre heureuse. Mais dis, Rup, qui est-ce qui t'a dit que Imani n'est pas heureuse? Imani me l'a dit. Mais quand est-ce que j'ai dit ça? Hier soir. Quand tu te plaignais avec maman, eh ben j'ai tout entendu. Imani, je t'aime tellement que je sais ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Mais Rup... thank you.
Ce que tu ne comprends pas, mon fils, dans cette maison, ce sont les aînés qui décident. De ce qui est bien ou pas, c'est leur choix et pas celui des filles. Mais dis, maman, les aînés doivent marier leurs filles pour qu'elles soient heureuses, n'est-ce pas, maman? Roupe, ne discute pas. Quoi? Réponds, est-ce que j'ai tort? Mais non, tu as bien raison. Mais tous les hommes ne pensent pas ainsi. Et ton père ne pense pas du tout comme ça. Lui, il fera seulement ce qui lui fera plaisir. Ce qui est vrai et ce qui est juste, c'est ce que je ferai. C'est toi qui me l'as appris, n'est-ce pas? Ralvir, sors de là. Toi, sors de là. Mon frère, tu dois rester loin de tes sœurs. Sinon, à cause d'elles, tu vas avoir des problèmes. Tu sais quoi? Elles mangent juste beaucoup ici. Puis un jour, elles iront dans une autre maison. Elles feront le malheur de ton père. Ces trois-là sont nés dans cette famille pour rendre mon oncle pauvre. Pourquoi est-ce que tu dois gâcher la vie pour elles? Laisse-les mourir. Ranvir, si tu oses encore parler contre mes trois sœurs, alors je vais pas hésiter à te jeter par terre. Je te le dis, pour ton propre bien. Et toi, tu essaies de me frapper. Ah mais voyons, vous deux. Arrêtez. Que faites-vous? Ranvir, lâche. Lâche Rubendra. Je t'ai dit de lâcher Rubendra. Tu lâches Rubendra. Compris? Viens. Monsieur l'inspecteur, aujourd'hui, mon fils m'a jeté hors de chez moi. Il a fait cela? Mais quel genre de fils tu as? Pourquoi tu ne le frappes pas? Mais c'est de ma faute, monsieur. Quand il était encore enfant, je le frappais avec une canne pour une faute qu'il avait commise. Alors il a attrapé ma canne. Sa maman m'a fait comprendre que ce n'est pas bien de frapper les enfants. Je ne l'ai plus frappé après ça, monsieur. Ma femme l'a toujours beaucoup dorloté. Mais il est devenu tellement gâté qu'il s'est mis à insulter sa maman également. Et dans ce chagrin, sa maman est morte. Maintenant, je suis seul. Et maintenant, aujourd'hui, il m'a mis à la porte, monsieur. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Où aller? Tu vas insulter ton père! Non. Je ne vous laisserai pas lever la main sur mes enfants. Monsieur, dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi. Pars, va avec lui. Va parler à son fils, dis-lui que s'il fait encore des bêtises, alors moi je le traînerai ici au poste de police et ensuite je le tabasserai. Oui, monsieur. Merci, monsieur l'inspecteur, merci beaucoup. Pars avec lui. Venez. Je suis allée dire à Shamsher de venir dîner, mais il a refusé de venir. Celui qui a causé ce conflit doit aller le convaincre lui-même. Mais ma tante, c'est la faute à... Je vais aller lui servir à manger. Je vais me servir toute seule. Tu dois rester tranquille, Rupendra. Tu as eu de la chance aujourd'hui. Sinon, mon oncle t'aurait vraiment démoli. Tais-toi et mange. Ou sinon, nous allons tous ensemble te démolir. Tous ensemble veut dire quoi? Hé, hey, Kinjal! Nous tous ensemble, c'est quoi? Tu vas monter un gang ici, hein? Ma tante, le gang, c'est vous qui l'avez fait. C'est pour ça qu'en tout temps, vous soutenez toujours Ranvir dans tout ce qu'il fait. Tais-toi! Kinjal, arrête de parler et mange. Jusqu'à maintenant, la colère de Shamsher ne s'est pas calmée.
Si jamais il l'entend, alors il te coupera ta longue langue et... Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui? Baisse les yeux! Le repas. J'aime beaucoup Rupendra, tu le sais. Mais je ne laisserai pas mon amour devenir ma faiblesse, Kamla. Ton trop d'amour l'a choyé. Et tu l'as aussi beaucoup affaibli. Mais là, il est allé contre moi. C'est la première fois qu'il a ouvert ainsi sa bouche contre moi. Ce sera la première et la dernière fois. Et si vous toutes vous changez, même lui, il se changera. Maintenant, tes trois filles et toi, vous n'allez pas du tout être punis. Mais mon enfant chéri, Rupendra lui le sera. Oh non. S'il vous plaît, veuillez le pardonner. Ne soyez pas si fâchés. Rup est un enfant. Je pense qu'il s'est soudain laissé emporter. Mais je vais le raisonner. Non. Tu en as déjà trop fait. Maintenant, c'est à moi de le raisonner. Oui, c'est moi qui vais le faire. Et ce, à ma manière, Kamla. Mais vous... Tu n'as pas compris. Je vais le lui faire comprendre. Et tant que je n'y arriverai pas, moi, je ne vais pas manger. Allez, calmez votre colère. S'il vous plaît, mangez. Je ne veux pas manger, je te l'ai dit. Je ne vais pas manger. Allez, ne faites pas l'enfant, s'il vous plaît. Mangez un peu. J'ai dit non! Ah! Maman! 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 La prochaine fois, tu n'interviens pas dans ma décision, sinon... Sinon! Sinon quoi, papa? Sinon, qu'est-ce que tu feras, papa? Tout ce que tu auras envie de me faire, fais-le. Mais tu ne dois pas lever la main sur ma maman. Bats-toi, comme un homme, papa. Pas contre les femmes. Maman, pourquoi est-ce que nous nous sauvons? Les gens diront qu'on est des poltrons. Laissez les gens dire ce qu'ils veulent, d'accord? Mais nous ne resterons plus ici. Ton papa, pour arriver à ses fins, il peut faire n'importe quoi à n'importe qui. Je vous ai donné la vie, moi. Donc j'ai moi aussi des droits sur vous, hein, n'est-ce pas? Cette fois-ci, je ne le laisserai pas faire ce qu'il choisit. Il pense qu'il peut frapper mes enfants. Je ne vais pas lui laisser faire ça. Mais maman, où est-ce qu'on va s'enfuir? Je pense que... Tais-toi. Tu ne vas pas exciter sa colère, Rup. Pourquoi est-ce que tu as dû te bagarrer contre lui? Tu sais quoi? Un jour, à cause de sa colère, j'ai peur que quelque chose de bien plus grave n'ait lieu. Quoi?
Quoi? Mais c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ce drame? Je vais chez ma mère. En prenant avec moi mes 4 enfants. Je ne veux pas rester ici. Ni moi, ni mes enfants non plus. Imani. Pars, va chercher un taxi. Imani ne va aller nulle part. Vas-y. Et je vais voir qui va m'arrêter aujourd'hui. Et Ranvir, pars. Va tout de suite téléphoner à ton oncle et dis-lui de rentrer immédiatement. Vas-y, vite. Tiens, Shamsher, ton travail sera bientôt fait. Monsieur, je vous suis vraiment reconnaissant. Je n'oublierai jamais cette faveur que vous me faites. Le jour où ton fils deviendra quelqu'un, alors j'en serai fier également, crois-moi. Merci, monsieur. Cette décision que j'ai prise sera bonne pour Hope.